Hello everybody. Si je vous parle anglais, c'est parce que nous allons du côté de la Grande-Bretagne. La cuisine est un voyage et nous allons découvrir une recette de crumble. Le crumble est un dessert avec une couche de fruits dans le fond du plat, recouverte d'une pâte émiettée. Hérité de nos voisins anglais, c'est un dessert des plus croustillants. Et on reçoit aujourd'hui Média pour nous réaliser un crumble des plus gourmands. Coucou Média. Salut Sophia. On regarde ensemble la liste des ingrédients. C'est parti. 50 g de farine, 60 g de poudre d'amande, 60 g de beurre, 40 g de sucre, 80 g de fraises, 2 pommes, 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger et 1 demi-sachet de sucre vanillé. Lavez puis découpez vos fraises en deux. Épluchez et épépinez vos pommes puis coupez-les en morceaux. Préchauffez le four à 180 degrés. Dans un saladier, mélangez le sucre, la poudre d'amande, la farine et le beurre jusqu'à obtention d'un mélange sableux, puis réservé. Disposez vos fruits dans un plat allant au four. Ajoutez le sucre vanillé et la fleur d'oranger, puis recouvrez du mélange sableux. Enfournez 20 minutes. Une fois le crumble doré sur le dessus, c'est prêt. Laissez légèrement refroidir avant de déguster. Un conseil à nous donner ? Eh bien, écoute, Sophia, la particularité de ce plat, c'est l'utilisation de la fleur d'oranger qu'on vient mettre par-dessus les pommes et la fraise, qui permet vraiment d'apporter un petit plus et de venir parfumer le plat. Super. Bah, je te remercie. Sahaf Torek. Merci, bon appétit. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à aller suivre nos autres recettes juste là, mon compte Instagram juste ici, et n'hésitez pas à lâcher des commentaires.